Et donc la réciprocité, pour Clausewitz, la réciprocité du combat, elle est censée conduire aux extrêmes. Alors après, la guerre dans sa dimension militaire et politique, elle est censée ralentir un peu, elle est censée empêcher un peu cette montée aux extrêmes, cette explosion totale du combat. Mais justement, ce qui caractérise l'époque moderne, c'est que la guerre au sens d'un combat maîtrisée par les politiques militaires, entre des militaires, professionnels, etc., elle a tendance à disparaître au profit de combats beaucoup plus violents, qui mettent en jeu des civils, qui n'ont plus vraiment de règles, etc. Et ça, pour Girard, en fait, c'est, il y voit un symptôme, si vous voulez, de la, justement de ce déchaînement de la violence. Et donc, il a des accents assez... assez pessimistes et assez terrifiés hein, dans ce dernier ouvrage, où on sent qu'il est quand même... qui doute vraiment en fait de l'avenir de l'humanité.